Bon, ben bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le matin de l'ouverture. Il y a Rémi avec nous. Il y a Alexis juste là. Et on va se faire une petite partie de pêche à la truite. On va commencer en nymphe. Et après, on va voir. Peut-être un petit coup de leurre par-ci par-là. Mais mon objectif, c'est de pêcher en nymphe aujourd'hui. Et essayer de faire quelques truites, même si on s'est déjà bien régalé avant l'ouverture. Sur les truites en seconde catégorie. Maintenant, c'est la première catégorie qui va nous intéresser pour essayer de faire des belles petites truites et en quantité. Il fait froid ce matin, il fait moins de 2 degrés, mais on espère que les truites vont être un petit peu dehors et qu'on va pouvoir s'amuser. Allez, on vous emmène avec nous. Là, il fait pas chaud, non? Bon alors, qu'est-ce que tu nous montes, Alexis? Un petit badine en 14, monter un petit train de nymphe. Et on va voir ça. Après, elle va sortir avec le soleil. Elle est pas chaude l'eau. Oh la vache, elle est froide. T'as le thermomètre? Ouais. Je vais regarder. Degrés 6,6. T'as cassé? Poisson. Premier lancé. Première petite truite. Vous avez mis au couple là? Elle est partie. Elle m'a mis 9 boîtes. Yes! Tu veux une taf? C'est une arc? Il y a quelques arcs? Yes. Petit poisson pour Rémi, petit arc, en neuf. Ils ont vite, ils sont en forme. Allez, c'est reparti. Boum. Bien joué. Première. Je prends des mythes, t'imagines même pas. Ah les pieds là ça tire. Hein. Bon, regarde là il y en a une. Là il y en a toujours une dans le coin. Là. Par contre en neuf tu la feras pas. Par contre si Alexis il balance un coup de leurre là-dedans, en remettant un petit leurre souple, ouais, tu l'as fait. Hein? Non mais je sais qu'il y en a une. Ouais tranquille. Ouais. Je pense que c'est là quand ça va se lever là vers 10h-11h. Tu veux des gants pour te réchauffer un peu les doigts? Tu veux du café? Je veux un petit coup de café. J'ai du café là. Mais ouais, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Au leurre, t'as vu, déjà, c'est dur.
J'arrive avec mon bas de ligne en 28 centièmes, je suis 28 non? Ouais 28 pas. C'est comme ça, je mets un bloc minot. Je vais tout pour crever. Bon bah je vais peut-être affiner un peu le truc, j'arrive pas à bien passer. Ah ouais, ça va peut-être pas 5 ou 6. Ouais. Bon on se fera tourner la canne. On pêchera en 9 et un peu et au leurre après. On parlait de la loupe. Regarde, elle est montée sur la berge. Il y a la dorsale sur la berge. C'est une fario? Ouais. T'as vu? T'as vu comment elle monte sur la berge chercher le leurre? Genre c'est un... Ouais, non, je te jure. C'est une orque le truc. Ouais, ouais, mais elles le font tout le temps sur cette plage. Ah, il l'a. Décroché. Je t'avais dit qu'il y en avait une là. Je t'ai bien plombé. Non, j'ai un petit. Yes! Elle a mordu. Petite fuite pour Rémi. Yes. Bien joué. Bon. C'est le pario. Allez. C'est piqué elle. Tu peux m'aider? Tu ouvres la gueule? Yes. Et si tu veux le faire un peu au leurre, Rémi, tu dis hein. Il y en a une posée là. Tu veux la faire à vue? Sur la. Elle est belle elle. Elle mérite sa top. Ah oui. Voilà. Oh elle est jolie. Oh. Il y en a une posée là à vue si vous voulez la faire. Yes go. Bien. Ouais. Ouais, il faudrait que tu me fasses prendre la photo aussi. Ouais bien. Ouais, il crochait les pinettes là ça. Ouais on gars. Je vais la mettre au bord. Hop, elle a remonté. Elle est partie se replacer. Combien elle est haut déjà? 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2. 5, plus 2, plus 1. Commence à faire des suites. Hein. Allez viens, prends la canne. C'est vraiment ça, par contre. Yes. Oui, tu poissons. Et petit changement de stratégie, un petit peu, là. On est parti beaucoup plus bas pour trouver les eaux plus chaudes, pour essayer de trouver des poissons plus actifs. Là on fait un poste au leurre, on va voir si on prend du poisson et ensuite on va aller faire d'autres postes en nymphe. Et on va voir ça. Les niveaux sont très très bas cette année. Voilà, tu peux mouliner là. Ça te revient vers toi là. Avec le vent en plus. Ah bien.
Quelle honte. Énorme. Oh là là. Ça c'était... Oh là là, la belle arc. Le plaisir. Oh là là. Cadeau. Il y a des arcs. Oh bah il y a moyen de faire quelque chose là-dedans, un œuf peut-être. Comment tu t'es fait arrêter, tu sais? T'avais un grand mou, tu récupères ton mou. Ah bah il y a un poisson. Hop là, ma petite. Voilà. Bien joué. Il y a un poisson là-bas. Ah, bon, il y a peut-être quelques dégâts à faire sur les arcs. Yes, bien joué Alexis. Repart. Là je commence à passer bien sous la branche. T'sais. Sous la branche, ouais. Mes nefs, elles étaient bien profondes là. Et c'est genre, tu sais, comme un nef à la mousse, tu sais, en dérive. Comme ça. Ouais. Je fais 2-3 petites animations comme ça là. Je touche, le combat, je le combat. Bon voilà, fin de cette journée d'ouverture. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé les gars? Compliqué. Compliqué. Ouais, ça va, on s'en sort bien quand même. Ouais, ça fait 13 poissons, c'est ça? 13 poissons, ouais. Oui, 13. 13 poissons. Alexis qui nous fait une 47. Moi, je fais un poisson pas loin de 40. Et des petites. Rémi, t'as fait 4 poissons? Ouais, 4. 4 poissons. 2 farios, 2 arcs. Égalité. Bon, bah, c'était bien sympa. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, en toute simplicité, vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, car je vais avoir pas mal de temps et je vais prendre la GoPro.